ans, c'est un triple anniversaire pour Handicap International, enfin au sein d'Handicap International Luxembourg. C'est d'abord l'anniversaire du traité d'Ottawa, c'est bien sûr l'anniversaire de la section luxembourgeoise, et accessoirement, c'est également l'anniversaire de mes 10 ans de bons et joyeux services au sein du groupe. Plus sérieusement, 10 ans, c'est 10 ans d'efforts qui ont porté la section luxembourgeoise à ce qu'elle est aujourd'hui. Des efforts que l'équipe actuelle a bien l'intention de renouveler pour les 10 années à venir. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. 10 ans, c'est déjà un beau parcours qui est passé très vite, mais c'est surtout aussi c'est l'avenir. Quand on a 10 ans, on peut faire plein de choses. Et puis une note un peu plus triste, 10 ans, c'est l'âge de certaines de nos victimes, enfin des victimes de sous-munitions et de mines antipersonnelles. Donc c'est pour ça que ça nous engage à continuer ce combat encore plus avant. Alors 10 ans, c'est pas grand-chose dans la vie d'une personne, mais en 10 ans, beaucoup de choses peuvent changer dans la vie d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la même chance que... Donc il y a 10 ans, après notre premier mailing, c'est 4000 donateurs qui sont rentrés chez Handicap International. Et 10 ans après, aujourd'hui, nous avons 33 000 donateurs qui nous aident. Et qui nous aident. C'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça passe 10 ans, dans les pays où nous travaillons, c'est à peu près l'espérance de vie des bébés avec une hydrocéphalie. Ta gueule à la récré. J'ai 10 ans. Je viens de commencer, j'espère apporter ma contribution. Après ces 10 ans, pour que le mouvement continue. 10 ans, c'est quand même une période suffisamment longue pour évaluer l'impact des actions de l'Handicap International. Cet impact est important. 10 ans, malheureusement, c'est 10 ans de conflits, de catastrophes, de guerres qui font qu'il faut chaque fois remettre l'ouvrage sur le métier parce que, effectivement, tout est toujours à refaire et dans les 10 ans à venir, il y aura encore beaucoup à faire. Donc, ces gens-là attendent bien sûr des comptes et donc on est là ici au département programme pour s'assurer que cet argent est bien utilisé et qu'il a un maximum d'impact. Un territoire tout petit, hein, tout petit. Vous avez 3 villes, hein, donc vous pouvez vous imaginer comme une petite portion du territoire luxembourgeois. Des emballages cadeaux qu'on avait fait pour Noël, vous les avez envoyés. Des étiquettes de... c'est les lacets bleus que vous connaissez, vous en avez vu. Et ici les photos, en fait, ce sont des personnes qui ont fait des dons. C'est un petit garçon qui est venu chez nous et qui nous a donné l'argent de ses cadeaux de communion. Il ne voulait pas de cadeaux, donc il l'a récolté. Et donc on a fait une tracée en bas. Et aussi deux personnes qui ont fêté leur anniversaire. Donc c'est un peu moi qui m'occupe de tous ces gens-là, qui nous aident et qui nous soutiennent et qui soutiennent aussi les programmes. Pour les personnes handicapées soit appliquée bien sûr sur le terrain mais aussi en Europe et pour que l'Europe fasse pression sur les terrains au niveau des politiques pour qu'ils appliquent les conventions qu'ils ont signées, les nations. Convention des droits des personnes handicapées. Toute entreprise, c'est une conjonction d'hommes et de femmes avec les sites de l'Europe. Et si ça s'accroche bien, si la mayonnaise peut donner des résultats, excellent. Je crois qu'Handicap Luxembourg, c'est un peu comme ça. C'est une bande de copains qui
débarqué avec Marie-Paul à Luxembourg il y a 10 ans pour créer Handicap International avec le parrainage de la Belgique et de la France. 10 ans et toujours pas l'interdiction des mines à soumission. 10 ans d'association sympathique. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais